Mesdames, Messieurs, bonsoir. Yon plaisir, yon l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter yon programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizère qui est content avec nous pour aujourd'hui, mardi 16 juillet 2024. Là, moi, c'est Jacqueline Belizère qui est un grand point cap dominé actualité. Actualité électorale ici aux États-Unis, deuxième jour convention nationale parti républicain, crime et immigration dominé journée. Nous sommes sous place Valerio Saint-Louis depuis Milwaukee. Toujours dans l'actualité politique et électorale ici aux États-Unis, président démocrate Joe Biden dit, une autre fois encore, mentalement en forme combat pour rejeter parole monde qui a questionné capacité mentale. En Haïti, un deuxième contingent policier Kenya arrivé dans le pays à un moment gang armé continue à abîmer la terre dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis dans le sport international français, Kylian Mbappé déclaré m'a bay vim pour club ça dans moment yo t'a présenté officiellement comme joueur Real Madrid dans stade Santiago Bernabéu. Oui, dans stade Santiago Bernabéu devant 80 000 spectateurs, il y a monde qui dit que Cobb l'a déjà fait depuis sous présentation Mbappé. Actualité a mené nous d'abord dans Milwaukee côté qui tournait en haut lieu de actualité électorale là ici aux États-Unis. Et ben c'est deuxième jour convention nationale républicaine. Nous gain sous place envoyé spécial nous Valerio Saint-Louis. Valerio, nous sommes dans avec monsieur français dans French to Africa. Et yo te parle de sécurité, dis-nous non, qui j'en sécurité aye, surtout que yon côté cap recevoir ancien président républicain Donald Trump qui saute victime d'un tentative d'assassinat, dis-nous non, et qui j'en sais. Justement, Jacqueline, bonsoir d'abord. Faut me dire que deuxième journée, Jacqueline, lit beaucoup moins tendu que première journée. Nous qu'à comprendre, première journée, c'était décacheté, c'était coup d'envoi, avec présence et candidat nominé, ancien président Donald Trump, et puis nomination vice-président et tout. Donc, nous qu'à comprendre, et délégué, c'était une affluence des délégués qui étaient là, des hommes là, des chargés avec moun, c'était une belle ambiance. C'est même ambiance, mais moins au niveau participation, puisque, faut nous dire tout, c'est dans quelques heures que journée va commencer, deuxième journée. Mais faut nous dire au niveau sécurité, particulièrement sécurité et périmètre qui ont même à recevoir deuxième journée ça, deuxième journée convention nationale parti républicain, qui a fait, n'a précisé dans Pfizer Forum, qui sont gros stadium dans ville Milwaukee. Sous tête stadium, nan, nous avons contingent service secret qui déjà veillé en l'air et dans la zone avoisinante tout, il y a des rivières, il y a évidemment des lacs dans la zone, nan, de l'eau, et bien de l'eau ça a eu protégé, a surveillé minute par des bateaux police. Nous avons chien qui a sniffé machine, il y a donc, au niveau sécurité, pour nous proprement dire, c'est même bagarre. La sécurité a toujours serré, Jacqueline. Mais évidemment, comme journée, pour qu'on commence officiellement, pour qu'on gagne ambiance. Donc, nous, ouais, c'est deux, trois monde qui a peut-être déambulé, qui a mangé, qui a parlé, qui a fait blague, qui a fait photo, tout. Bien que, quand même, je dis à ces deuxième journée, il n'y a pas tant à ce que deuxième journée, ça, aussi intéressante que hier, Jacqueline. Et Valérie, qui j'ai en couverture là? Et est-ce que presse internationale là présent, presse locale là présent? Parle un petit peu de couverture médiatique et go événement ça. À son gros événement, son événement que le monde entier des yeux l'ouvre sous lit. Donc, presse internationale là bien présent, presse locale dans tout. Et nous-mêmes, nous avons créé tout service là tout. Donc, nous comprenons que son événement, et surtout après ça qui passé samedi, hein, bon, tentative d'assassinat, ça, contre ancien président, nous comprenons que le monde entier a veillé. Donc, il presse, et médias, yo, télévision, radio, évidemment, médias et en ligne, tout. Il y a tout partout. Il y a faufilé quoi dans tout raccoin pour chercher information. Ça qui est intéressant dans l'information que vous avez joint dans ce moment-là, c'est non seulement, évidemment, information sous deuxième journée, mais moun kap déambulé yo, souvle accoutrement moun yo, noue, délégué yo, kabillé avec des couleurs rouges et bleues, belle rad longue sou yo, mesdames yo, messieurs avec chapeau cowboy yo, qui est assez intéressant. Donc, couverture médiatique là, en pile pour une deuxième journée, Jacqueline, qui déjà annoncé les couleurs avec un thème, ou te dit déjà dans le grand titre, avec un thème qui c'est sécurité et puis immigration, sécurité nationale. Donc, nous ka comprenne que pour deuxième journée ça, en pile moun gen en pile yeux l'ouvri sous convention nationale républicaine et n'aptan nous même tout à l'heure comme ça pour nous tendre ça qui va passer en dedans ça qui est dominant là. Si thème dans c'est sécurité avec immigration, m'a dit quelques noms rapidement de deux trois monde parce que important les deux partis qui ont pour prendre la parole notamment belle-fille ancien président Donald Trump, Laura Trump les mêmes qui ont pour parler qui c'est tout à nous dit c'est coprésidente comité national républicain. Donc nous comprenons que son monde important nous gagnons et Marco Rubio sénateur Floride là, Ted Cruz sénateur Texas là, gouverneur Floride là tout Ron DeSantis. Et ça nous pas oublier mentionner Nikki Haley qui lui-même était en face avec Donald Trump pour élection primaire. Yo, Nikki Haley lui-même c'est ancienne ambassadrice des Nations Unies ici aux États-Unis. Donc on pense que en mentionner tout nous
veulent passer devant nous. T'as le là, c'est candidat à la présidence tout ou entrepreneur businessman, c'est Vivek Ramaswamy qui est même tout là et peut-être l'après pour le parler tout à souhait, Jacqueline. Donc Valéo Saint-Louis, qui ça nous capable retenir de première journée? Première journée pour moi, c'était d'abord ça nous a retenu, ça qui fait clou de la soirée, on nous dit c'est apparition triomphale ça que l'ancien président Donald Trump t'a fait dans la convention. Pile monde t'a pas attendre à ce que Livini, c'est vrai délégué tu t'a attendre puis chauffer puis acclamer l'acclamation côté que Donald Trump pas même besoin parler même puisque délégué t'a parlé pour lui avec des applaudissements, avec surtout un slogan que pensé qui développé dans incident qui t'est passé samedi passé à la côté Donald Trump t'est levé point lié en l'air, il dit fight fight fight. Donc Goumen, nous tendez souvent ça, souvent pendant la convention. C'est ça que pour moi qui était le clou de la soirée et certainement nomination vice-président lien qui c'est sénateur État Ohio, J.D. Vance. Une nomination qui était un petit genre en suspense. Il y a un monde qui t'a pas tant, qui t'a fait chui-chui, bruit-rumeur, qui t'a circulé, puisque il y a trois noms qui soi-disant étaient sur liste. Et puis voilà que finalement, nomination a été faite hier. Donc moi, c'est que cet événement ça, dans la journée hier, là, pour moi, c'était finalement la cerise sur le gâteau, si vous voulez dire. Français, c'était un moment plus important pour journée hier là. Et je vous dis à tout, n'a pas tant à des moments aussi importants, côté que d'aide au là, on a regardé peut-être qui vide pour le moment, mais dans quelques heures, pour aller délégué au cap entré et salsa pour aller remplir et pour aller même enthousiasme. Gadjo Jacqueline, nous senti enthousiasme là et acclamation délégué, c'est vraiment un moment assez intéressant, les n'a vivre, puisque moi-même, c'est pour la première fois m'a couvrir un événement pareil. C'est vraiment une ambiance festive pour Parti républicain, Jacqueline. Merci Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis c'est envoyé spécial nous. Il va rentrer pifon dans ça qui passé hier dans l'occasion première journée convention nationale Parti républicain. Valérie Saint-Louis. Ancien président Donald Trump t'a fait un retour triomphant dans la convention nationale républicaine bien tard hier lundi, deux jours après que t'a blessé dans une tentative assassinat. Ça, c'est première apparition Donald Trump en public depuis qu'il t'a tiré sous lit. C'est comme s'il n'y pas même besoin de parler tellement que délégué tout état yo t'a rempli ça là avec acclamation. Non monde qui t'a supposé vin partner Donald Trump dans la course électorale là comme vice-président t'a resté en suspense. C'était plus gros secret politique année et finalement, c'est sénateur État Ohio, J.D. Vance qui était annoncé pendant la convention nationale qui baille vote pour candidat yo, ancien président Donald Trump. Et à quelques blocs pas trop loin côté convention a déroulé, manifestants ont exprimé tête yo contre politique républicain yo et contre Donald Trump. John Miller habitait Milwaukee côté congrès a fait là. Moi, j'ai pensé qu'il était important pour rappeler monde que gagne deux candidats et un candidat yo gagne 34 accusations crime contre lui. Mais choix J.D. Vance avec rebondissement apparition Donald Trump après tentative assassinat, te bay base li yo plus force. Michael Lawler, c'est un représentant américain qui sorti dans ville New York. Question c'est pas sur le passé, question c'est sur l'avenir et façon nous pour avancer comme un pays avec problème qui affecte peuple américain. Délégué ça yo même yo dit yo vle plus unité. Kounya nan fin premier jour ça dans convention, yo pral rassembler des étiquettes présidentielles là qui au complet avec Donald Trump et puis J.D. Vance pour élection yo. Pour VOA News, Caroline Presutti, adaptation créole Valérie Saint-Louis depuis convention nationale républicaine dans ville Milwaukee état Wisconsin. Et puis toujours concernant convention nationale Parti républicain, ben après plusieurs mois spéculation, Donald Trump a annoncé qui est-ce qu'il choisit comme vice-président. C'est J.D. Vance qui rejoint Trump sous bulletin présidentiel Parti républicain en tant que yon parmi et vice-président ou bien candidat vice-président qui pigeonne États-Unis constaté depuis Richard Nixon en 1952. Nomination pour le tester statut politique li, comme nouveau venu et puis politicien qui pague en pile expérience. Sandra Lemaire. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention to be the next Vice President of the United States. Annonce la mettait fin, une question qui t'a posé. Présumé candidat présidentiel républicain Donald Trump choisit sénateur Ohio J.D. Vance, 29 ans, comme vice-président li. Li annonce nouvelle la première journée convention nationale républicaine dans Milwaukee. Dans un message publié sur réseau Truth Social, Trump dit Vance, c'est plus bon monde pour prendre vice-présidence là.
Identité politique verte centrée sous lien li ak région Saint-Huron ou yé États-Unis. Sentiment populiste yo en lien ak Trump. Li di yon nan option président Trump te gagné à la disposition, c'est que sénateur verte si peut-être associé plus proche s'il MAGA président Trump ak philosophie li a. Historien vice-présidentiel Joel Goldstein déclarait sélection en pas normal parce que pi fort choix président yo c'est qu'on a tentative pour arriver sous électeur en dehors base là au lieu ça qui déjà en dedans base là. And so I think that what Président quoi ça président Trump espéré c'est que les pral aider bay électeur Jared surtout ça yo qui pas vle à voter ak moun qui gain même héritage avec sénateur Vance. Vance s'est bien populaire grâce à un livre qui a été écrit en 2016 qui est le Hillbilly Elegy, qui baille détails sur Jean te grandi pauvre et puis déclin industriel et économique dans la ville natale Middletown, dans Ohio. Il était inscrit dans la Comérine après lycée et puis tard, il était gradué dans l'Université d'État Ohio avec l'école de droit Yale. Il était travaillé comme investisseur dans Capital Risk dans San Francisco pour un entrepreneur dans Silicon Valley qui relait Peter Thiel. Monsieur a contribué 10 millions de dollars dans un super PAC, comité action politique, qui a appuyé candidature Vance pour Sénat. Vance a quand critiqué Trump et puis décrit action li comme répréhensible et que li c'est un Hitler américain. Après ça, il était venu un partisan Trump, mais li gen moins expérience passé l'autre monde Trump t'a considéré pour poste vice-présidence là. Le Jim Poe moun a prêté un pile attention à succession présidentielle là à cause l'âge candidat et à cause tentative assassinat qui était faite contre Trump. Ça pral soulever question dans tête moun par rapport à si sénateur Vance paraît pour diriger pays à tout de suite parce que li pa gen un pile expérience dans position replacée dans gouvernement. Dans une ambiance politique qui est divisée, dans le moment Trump a cherché unité tout partout dans le pays, mon ap suivre pour voir si Vance a capable d'aider réduire Faisayo. Quelques temps après tentative assassinat contre Trump, là, Vance a blâmé campagne Biden là, pour cette violence. Là. Reportage Tina Trin, VOA News. Traduction Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et bien toujours dans l'actualité politique et électorale là ici aux États-Unis, il y a un président démocrate là Joe Biden qui dit que eh bien mentalement, il est en forme combat. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior. Tentative assassinat en fin semaine sous Donald Trump fermé en pile bouche dans discussion sur avenir politique président Joe Biden. Mais comme Trump t'a déclaré lundi devant délégué qui a participé dans la convention nationale républicaine après l'été annoncé non vice-président li. Administration Biden nan te préparé pour fermer campagne jodi madi a nan étape incertain sa nan course présidentielle la. Différence qui gagne en deux gros campagne présidentielle yo te paraît plus clair hier lundi a. Ak sen yo qui chauffe ak énergie. Républicain yo te nommé Donald Trump nan convention yo nan Milwaukee. Petit garçon Trump, Eric Trump te dit qui gros président qui t'es jamais existé? Élisée Donald J. Trump. Et puis, sorti dans la Maison Blanche démocrate contrôlée, président Joe Biden t'a demandé pays pour baisser la température discours politique là après tentative choquant assassinat Trump là. Lundi, il t'a dit Lester Holt sur NBC qu'il a toujours un gros problème avec Trump et puis avec façon enflammée avec vicié Trump ak Bazli communiqué doléans yo. Et puis, yo te mandel, si li te pense fiziad la, ta changé trajectoire course présidentielle la. Président te répond, mouen pa koné, et ou même tout. Lundi soir, Donald Trump te paraît pour premier fois après fiziad la, nan yon réception grandiose ak yon foul moun ki ta prele. Rete solide, rete solide. Biden te critique Trump tout. Tande, c'est pas moi qui te dit, moi te vle vignon dictateur premier jour. Ni moun qui te refuse accepter résultat élection. C'est pas moi qui dit, kem pap accepter résultat élection ça. Des candidats yo
te mande pou yon unité après fizia Trump la. Mais analyse yo di, mo sa kapav le di sa ou pense li vle di ya. They're both calling for unity, but yo tout de mande pou gen unité. Mais moi pense différence yo nan qualité concept yo fondamental. Laisse ça moi pense que problème nan pral tombe. C'est comme ça yo mande li. Mais en réalité, li kapab bien yon partisanerie déguisé. Qui ça kap passe kounye ya? Alors que de grand papa yo apprécié nan fin yon course fatigant, tellement en mer, tellement chargé émotion et très conséquent et avec yon petit crash chance pour remporter élection. M'pa konnen. Et ou même tout. Anita Powell, VOA News, Maison Blanche, Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis, d'accord, nous sommes des envoyés spéciaux, nous, Valério Saint-Louis, Sodil. Eh bien, immigration, c'est un thème journée, et immigration illégale aux États-Unis, c'est un thème même, élection générale, novembre 2024. Yon coup d'œil sous position chaque candidat, yo, en parlant de Joe Biden et Donald Trump, sous question immigration. Jean-Robert Philippe. La première action sérieuse que le président Joe Biden posé sous question immigration, hein, c'est le décret qui mettait restriction temporaire sur les migrants qui avaient demandé asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Une autre action, c'est le deuxième décret pour protéger quelques immigrants qui vivent illégalement aux États-Unis depuis 10 ans pour BBT et qui marient avec un citoyen américain. Décret ça permet aux bénéficiaires d'appliquer pour résidence à possibilité pour un citoyen américain. Couples have been raising families. Coupla a élevé une famille, voyer Timon à l'école avec l'église, payer taxes, contribuer dans l'économie pays depuis 10 ans pour BBT. Déclaration président Biden en fait, après il a publié un décret qui permet de suspendre demande d'asile sous frontière sud États-Unis partagée avec Mexique, chaque fois la quantité d'immigrants qui traversaient frontière sans autorisation touche une moyenne 2500 immigrants par jour. I'm not interested in playing politics with border or immigration. I'm interested in fixing it. Moi pas intéressé dans jouer politique sur frontière ou bien sur immigration. Moi intéressé dans résoudre problème non. Suspension sur demande asile à bagain là-dedans, victime trafic humain, immigrant qui gagne problème urgence médicale ou bien mineur qui pas voyager avec parents yo. I think Biden when he started had very good intentions. Elizabeth Vaquera, une assistante professeure de sociologie avec politique publique dans George Washington University et qui fait recherche sur groupes vulnérables avec diversifiés, déclaré Biden a commencé avec bonne intention. L'élite a commencé sous pouvoir. Généralement, politique liée à TAP appliquée à t'assemble plus avec une politique en faveur immigration. Nous n'avons une période électorale, je dis à côté, n'a demandé qui ça qui lui baille ou bien abandonner une façon pour soulager pression yo gen sou yo. Ancien président Donald Trump, au côté pâle, déclaré, la plan c'est pigou opération déportation qui jamais faite dans l'histoire des États-Unis s'il remportait l'élection. Candidat parti républicain a ajouté, plan Biden annoncé pour immigrants qui marient avec citoyens américains, c'est une attaque directe contre la démocratie américaine. When I'm re-elected, Joe Biden's illegal amnesty plan will be ripped up and thrown out. L'aimerie pour un autre mandat, moi pral déchirer en miettes morceaux, plan amnesty illégal Joe Biden nan, et puis voyez, j'étais bien loin, depuis le premier jour, moi fin prêté seulement comme président. Candidat parti républicain a ajouté, we have no choice within moments of my inauguration, we will begin the largest domestic deportation operation. C'est déportation sur grande échelle. Nous n'avons pas aucun choix. Immédiatement après la cérémonie d'inauguration, nous avons commencé la plus grande opération de déportation qui n'a jamais faite aux États-Unis. Nous n'avons pas aucun choix. À cause, ça va capable continuer. Professeur Elizabeth Vaquera, nous étant détaillé, a ajouté, Trump concentré sur déportation plusieurs millions d'immigrants et puis déployé le garde national là pour faire travail là. Le garde national là pour marcher, faire une série d'arrestations et puis mettre immigrants ça yo dans camp pour tendre date de déportation. Mon clé. Moi pas quoi États-Unis gain capacité pour faire bagarre candidat républicain à parler pendant la campagne là. Électeurs américains ont divisé sérieusement sur la question immigration. Plus passé 60% supporter Trump, courir un effort national pour déporter immigrants sans documents légaux, d'après données
Pew Research publié. Sondage a montré électeurs démocrates avec Sila qui est penchant démocrate a changé position sous question immigration. 16% parmi eux déclaré immigrants qui paguent documents légaux pas ta dû rester dans pays. Chiffre ça a représenté une augmentation 9% électeurs les Biden avec Trump te boucanté la parole dans un débat pendant l'élection 2020. Aline Barros t'a écrit au partage ça pour Salle des Nouvelles Voix de l'Amérique là et moi-même Jean-Aubert Philippe t'a traduit et adapté pour service créole la Voix de l'Amérique là dans Washington. Merci Jean-Aubert Philippe. Et puis, une nouvelle qui fait tomber, jury au tribunal fédéral dans Manhattan, joint sénateur New Jersey à Bob Menendez, coupable pour corruption après 3 jours de délibération. Serge François Michel. On Friday, the Southern District of New York brought charges against me. I understand how deeply. C'est réaction sénateur américain qui représentait l'État New Jersey, Bob Menendez, après un jury dans un tribunal fédéral de Manhattan, New York, des jeunes sénateurs coupables en bas 6 accusations de corruption. Jury a passé 12 temps pendant 3 jours de délibération avant de décider que sénateur démocrate puissant État New Jersey coupable. Ancien président de commission affaires étrangères Sénat, qui est 70 l'année sous tête lit, est plaidé non coupable pour accusation yo. Tant qu'on ça qui dit, l'intéressé voir l'agent imbattable, agit comme agent étranger, et puis, couché en croix contre travers la justice. Pendant le jugement, avocat gouvernement est présenté par Jurien, quelque parmi Mossolo, qui est agent fédéral américain, est saisi, dans résidence Lina New Jersey, côté la vive avec madame Ninadine. A plus passé 480 000 dollars liquides à quelques enveloppes chargées l'agent qui dégaine mon sénateur écrit sous yo, et qui était caché dans une veste. Jugement centré sous sa commissaire gouvernement aurait les plusieurs dossiers corruption qui impliquaient non seulement sénateur, mais tout madame Nadine Menendez, qui a accepté plusieurs centaines de milliers de dollars cash, bâton l'or, machine à paiement hypothèque, nommé 3 hommes d'affaires qui demandaient l'assistance. Mais en les mévinis, sénateur Menendez a déviré plusieurs milliards de dollars d'assistance américaine pour faire rejoindre le gouvernement égyptien. Et il y a 3 hommes d'affaires, Wael Hana, qui a une relation avec l'autorité dans le gouvernement égyptien, d'après avocat accusation. Sénateur Menendez était en bas d'accusation comme quoi il était cherché à influencer le jugement criminel de l'autre homme d'affaires, qui c'est Fred Dibes et José Uribe. Uribe plaidait coupable. Et puis il témoignait contre sénateur Menendez. Sénateur Menendez démissionné comme président de la commission affaires étrangères Sénat, après il était tombé en bas d'accusation le mois de septembre 2023. Mais il était résisté pour ne pas démissionner comme sénateur, malgré appel collègue démocrate Lio qui demandait le fait ça. Puisque le parti a voulu le démissionner, sénateur Menendez, candidat indépendant Cunha pour sénateur, dans l'élection mois novembre. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. Eh bien, actualité concernant le pays d'Haïti dans un petit moment. Et puis, actualité dans le pays d'Haïti, un deuxième contingent policier pays Kenya arrivé en Haïti, dans le moment gang armé continue à s'immer la terre dans la région métropolitaine. Et Steven Aristil, depuis Port-au-Prince. Actuellement, là, nous trouvons dans Soutamak, à au port Toussaint-Louverture, à côté deuxième contingent et policier Kenya. Il a atterri environ 200 policiers kenyans qui viennent renforcer 200 qui étaient là déjà, qui étaient arrivés 25 juin 2024 là. Côté nous connaît, toujours dans le même objectif là, et pour être capable de venir combattre et venir aider la police nationale là, combattre gang avec insécurité, nous connaît capé taille bandit dans le pays. Là. Directeur police nationale là, et Normil Rameau, il fait déclaration, il souhaite vous welcome. C'est lui-même ensemble avec le responsable mission qui c'est commandant Godfrey qui était là, qui était venu recevoir eux avec quelques soldats qui étaient déjà présents sous soldats dans le premier contingent. Nous recevons maintenant le deuxième contingent policier kenyan qui fait partie de force MFS qui vient supporter la police nationale dans le cadre de lutte contre les gangs armés dans le pays. Dans le gouvernement, dans le conseil présidentiel, là, moi je souhaite vous bienvenue en Haïti. Nous là, et nous capables de suivre derrière nous, on commence à y activité parce que les soldats eux-mêmes, ils sont là, ils montent dans l'avion, ils prennent et matériel, ils prennent la valise avec l'autre bagage de côté. Nous sur place pour nous capables de permettre de vivre en détail comment ça y est pour question et
force multinationale qui vient porter soutien avec la police nationale là pour combattre la sécurité. Non pas M. Steven Aristide, moi en direct depuis Tamak Aéroport, tout c'est l'ouverture pour la voie de l'Amérique. Merci Steven, réaction qui est déjà sortie après arrivée deuxième contingent ça, nous allons rejoindre Ronan Toussaint. Deuxième groupe policier kenyan qui arrivait en Haïti mardi 16 juillet 2024 n'a pas fait front national organisation résistance pour Haïti STAB et démocratique FONOB que activiste politique Rosemont Jean a dirigé ni chaud ni fret. Il y a tant rien de moun sa yo parce que c'est même pouvoir criminel là qui là. Gen moun captain à ce que kenyan a vin là pour faire opération, pas d'opération, il pas vrai. Kenyan ou pral gen pou prendre forme vase là. Son liquide kenyan ou yé. Yo pral gen pou prendre forme l'état haïtien. Yo pral gen pou prendre forme gouvernement qui là. Parce que gouvernement qui là, même le ouais, yo propose, y'a mette ceci, y'a mette cela. C'est gouvernement, c'est base gouvernement ça là qui te mette campé, JEGEP. Et comment, yo dit JEGEP, JEPEP. Rosemont Jean dit c'est dans tête pour attaquer problème non. Si nous pas chercher résoudre van fermer van cap bail cap prend petit peuple là cap transformer en gang non nous pas jamais résoudre problème gang non. Ou fin retourner ti la pli, ou fin touyer barbecue, ou fin touyer l'ambo sans jour et puis député comment dirais-je après tirer l'ambo sans jour. Sénateur, comment dirais-je, il a retiré l'homme sans jour, il a retiré vite l'homme, il a remplacé le par l'autre. Ça veut dire, auteur, co-auteur intellectuel qui menait nous dans Kachouboumbe nous, je dis à faire la presse aider nous pour moun ouais, pour moun connaître. Parce que, depuis que vous prenez ça, ou tout résoudre problème balle, ou tout résoudre problème côté gagné aux jeunes âmes. Et, laisse ça, il pourrait faciliter nous l'opération pour permettre la police, l'armée rétablisse la sécurité dans le pays. Bon côté Paul, Wilson Joseph, qui est président de la coalition regroupement politique pour avancement démocratie, parti émergent et allié Coripad, mandé pour mieux équiper la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti pour capable corriger la situation. Nous pas renforcer l'armée d'Haïti. Tant que nous pas renforcer et ça, oui, la police nationale, pour capable mener opération, moi, garantis nous, franchement, nous pas besoin de solution. Et moun sa ou tout pas vin là pour vin mourir pour Haïtien. Pays d'Haïti a fait face à un problème insécurité, c'est pareil, côté citoyen, pas qu'à vaquer librement à activité, yo, à cause violence gang armée, qui occupait environ 80% dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, d'après autorité concernée, Ronan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous avons fini avec Mbappé, Kylian Mbappé, qui joue aujourd'hui, c'est un nouveau galactique dans Real Madrid, parce que vous présentez monsieur officiellement dans le stade Santiago Bernabeu devant 80 000 spectateurs. Et monsieur déclaré que dans l'occasion que club ça m'a bail la vim poule. Li dit le temps qu'on ti boy que quel content parce que son rêve que le te gagne depuis longtemps que le te caressé et puis qu'on y a mais journée jodi a li tournon réalité côté que li c'est vraiment yon joueur Real Madrid et c'est Florentino Perez qui c'est président Real Madrid avec Zidane tout qui était là qui accueillit et c'est un course avec tambour et trompette que recevoir Kylian Mbappé, ancien international et ancien joueur Paris Saint-Germain, qui joue aujourd'hui à tourner en Galactique et tourner un joueur Real Madrid. Donc, M. Abgué, pour commencer à jouer en août là, dans Liga, donc Napton. C'est là nous mettons fin dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous remercions les amis, nous, Franklin, qui sont bons amis Haïti. Merci Jean-Marc Hervé Abela. Et puis, Chang Wang, qui était avec nous tous. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Nous avons rendez-vous pour demain. Pour un autre rendez-vous info. Maintenant, ça vient la Tibonite. Tout y est, plusieurs bandits basse grand griffe. Plusieurs bandits basse grand griffe. N'est-ce que valet de naissance, n'est-ce que valet de bouchio, plus jamais. Yo pas jamais posé action ça encore. C'est vrai, n'est-ce que yo fait de attaque, que de moun qui mourit dans la population civile dans tout. Mais, sans pas oublier, plusieurs bandits vont boire calé, et moun n'a pas la Tibonite.
Selon Bertide Horace, li dit que habitant la Tibonitio, nan Savien, nan Liancou, nan Kafoupe, nan Moudoué, nan Pachoual, yo sermenté cette fois-ci, yo pas poté mak pou manti yo, et se manti yo pou kriye. Parce que c'est trop l'année, 3 ans, 4 l'année, que ces bandits qui ont fait crier, et cette fois-ci, ils prennent décision, yo, pour qu'ils puissent faire bandits crier. Est-ce que la police prend supporter, prend courir, prend aider, mon la Tibonite, dans le mouvement que ce bois calé qui est lancé là? Est-ce qu'il y a quitté ces peuples, non seulement, qui décident de battre la justice, à travers bois calé, désir, Blaise, c'est une situation très compliquée dans le niveau du département de la Tibonite, mais elle commence à porter la joie à la caille population qui dans diverses sections communales, qui dans diverses villes dans le département de la Tibonite. Là, on prend une nouvelle. Pour pipiti, 5 bandits, base gangrive, valé à des naissances. Dans attaque répétée au tafé, sous commissariat, qui sous route nationale numéro 1, dans la localité Pachoual, qui trouvait le nom Ponsonde. Là, on a une nouvelle. Plus qu'on 15 bandits, avec balle dans dos, dans pied. Pour aller coucher sous cabane de l'hôpital, Blaise Peterson, ça permet que la population dans le département de la Tibonite, gont y crasse la joie, gont y crasse quel content qui envahit. C'est pour ça que vous demandez avec la police, prends toute disposition sous le département de la Tibonite, parce que carotte la presse est quitte. Question bandit qui a pris 30 de Kaimoun, kidnappé moun sous route dans le département de la Tibonite, bagay ça c'est fini, Blaise Peterson. Si la police en est bas, on t'y booste tout simplement. Ça finit. C'est tant d'autres les bandits à plaigner. Nous prenons une balle. Nous rasons. Vin pour t'aimer ses coups. C'est ça, bandit à demander. Dans le moment, dans le département de la Tibonite. Nous avons décidé. On équipe nous, nous le soldat paysan. Qui décide dans tout niveau, dans toute dimension, Blaise Peterson, pour yon barrer en haut, barrer en bas, barricade dans tout coin. Pour empêcher bandit sauver dans le département de la Tibonite. Mais, nous avons un seul petit problème, Blaise Peterson. Yon besoin de présence de la police dans le Mitambouk, Tirivière, la Tibonite. Qui gon l'hôpital, l'État. Qui oblige les bandits aux soins, les recevoir balle. N'était ça, bataille a été finie. Tout dans 5h de l'après-midi, ailleurs, Blaise Peterson, c'est des coups de balle qui t'a chanté. Dans le niveau Kafoupey, dans le petit rivière la Tibonite, dans le Liancou, dans le Chandel. Tout le monde s'est motivé, manchette dans main, bouteille dans main, green carreau dans main, y a vu les bandits qui ont voltigé. Ou t'as qu'à dire, version bois calé qui t'a lancé Port-au-Prince là. Eh bien, lui lancé dans le département de la Tibonite contre tout bandit qui t'a quimbé la population en otage depuis un bon bout de temps. N'importe où presse, autorité qui dans l'État, soit cherche avec bandit, les populations qui dans le département de la Tibonite, qui te quoi dans le travail, te, Blaise Peterson, bandit yon mouté sous terre, bandit yon volé, bête paysan qui te kane bank yo, bandit nan, moun dans le département de la Tibonite dit, yon pas dans négociation avec bandit. Bandit yon bon, seul côté après négocier avec yo, c'est des 20 barons dans grand cimetière, Blaise Peterson, bataille à lancer dans le département de la Tibonite, et autorité yon, doué marché contre, moun yon dans le département de la Tibonite, cap koné, une situation très difficile depuis plus passé 5 années en bas bandit, grand griffe, avec bandit palmis, bandit kokourat sans ratio. Et, monsieur coalition yo, Blaise Peterson, monsieur, c'est l'île résistance autodéfense, yo. Yo activé tout, oui. Yo activé tout, oui, pour yo continuer. Nek je de Nio? Oui, Nek je de Nio activé. Yo activé dans la bataille là. Yo activé dans le combat. Yo dit yo pas de bail vague. Yo pas de bail légué. C'est bandit basse gang griffio. Qui pour nous couille, c'est eux-mêmes qui pour nous cacher, Blaise Peterson. Bien que parler de monsieur coalition je de Nio, c'est un groupe illégal armé tout. Mais je dis là, c'est parce que l'État pas présent. C'est parce que l'État pas prend responsabilité, qui la cause que je dis, ouais, comme si, même n'est qu'il illégal qui est amené maintenant, li convertit li en cellule de résistance, comme quoi, comme si la baille est population service. Mais si l'État était présent, et pas qu'il y a aucun groupe armé qui est au même, qui t'a capable d'accord que c'est au même cap dirigé, et au même cap imposé ça ouvre. Désir Venesse, laissez-moi dire. Gain conseiller présidentiel, Leslie Voltaire. C'est vrai que moi pas gagné toute intégralité interview. Mais moi garder un petit séquence au moins quelques secondes. Non, et sous média confrère nous journal La Caille. Côté que Leslie Voltaire clair et c'est chaque jour moi avec des Ivenes a dit ça là. Leslie Voltaire dit les pour dialogue avec Mandi. L'État pour dialoguer avec Bandio. Parce que sinon, il n'y a pas dialogué avec Bandio, eh bien, comment que l'élection va arriver organisée? Comment que candidat va arriver mener campagne? Et comment que l'électeur va arriver voter?
des histoires de magasin frère. Sans comprendre la déclaration de Sylvain Tirac. Mais là, avec lui. Mais sans comprendre la déclaration ça. Pour faire élection dans le pays ça, qui j'en ai pas fait? Blaise, il appelle, il appelle. Vous pensez que ça me doit passer dans le département de la Tibonite là? C'est mon yot prend bouteille, quoi chapika, zam que vous avez, manchette que vous avez, pour aider la police, oui. Yon méga commissariat que Jovenel Moïse, président de la République, te construit. Bon, j'ai besoin de prendre lui. Par contre, il y a une chance, ouais, image, chef d'œuvre commissariat, si la baisse personne. Ou d'accord, Anton, monsieur pas arrangé, yo, pour bailler sécurité en dedans pays, ya. Ou pas, c'est d'ailleurs qu'à faire élection là, avec Bandi, qui gagne tout patron dans pays, ya. Même les Voltaire, qui semble t'a parlé des questions d'élection, sous ta dit, qui n'a qui sont des votes, il pourra le voter. Il pas senti-il, inquiétude d'esprit, pour le dire, si l'élection a fait, il pourra le voter. Comme, parler fait pour parler, autorité ou a parlé. Mais yon connaît plus gros chantier que yon doit travailler sous lui. C'est question insécurité. Côté bandit, bah la police limite. Parce que si vous parlez tout la rue Port-au-Prince, barricade avec cacasse machine, monsieur Vivant Samyo. C'est ça que monsieur veut parler. Ouais, Magali habitant, la avance avec question assainissement. Assainissement, ou bien la propreté, c'est sécurité. On parti. Si yon pas fait ça, pour déblayer, retirer barricade, bandit a mette barricade avec conteneur, soude yo, pour empêcher la police pénétrer l'espace, ils sont de connaître toutes les personnes. Semble Leslie Voltaire, conseiller présidentiel, déjà, ouais, a bien sécurité, qui fait la parler d'élection. Parce que, songez que, collaborateur nous, Claude Nader Antoine, informe que le CPJ, get a gen ensemble hélicoptère, qui paraît pour mission pour venir mener opération contre bandit yo. Yem, je te dis, il y a trois que qui étaient déjà atterri dans le DCPJ, le cas de DCPJ en Clercine. Bon, si vous déjà atterri, c'est parce que petit chinois, notre petit chinois, Leslie Voltaire, lui pratiquement, ouais, pral de sécurité en dedans pays, hein, parce que vous pas capable parler d'élection, si ou, si problème qui existe dans la ville là toujours là, ou pas capable parler d'élection, si problème cité soleil là toujours là, ou pas capable parler d'élection, si problème Matissan, village de Dieu là toujours là. Ou pas qu'à parler d'élection, non plus. Si Canarien toujours gagne bandit, qu'a théorisé mon là-dedans. Ou pas qu'à parler d'élection. Si ça vient dans le département de la Tibonite, toujours gagne bandit. Ou pas qu'à parler d'élection. Si la croix périsse dans la commune Lester, dans le département de la Tibonite, toujours gagne bandit. Ou pas qu'à parler d'élection. Si Thibois Dom, dans le nord-ouest PIA, qui gagne limitrophe avec le département de la Tibonite, toujours gagne bandit. Laisse à Wabdim, c'est bandit qui a choisi qui est ce qui a le président, oui. C'est bandit qui a choisi qui est ce qui a député, oui. C'est bandit qui a choisi qui est ce qui a magistrat, oui. Je dis, quoi que, pi bon parole un conseil présidentiel yon membre gouvernement doit parler dans oreille moun yo la bes personne c'est résoudre problème de sécurité à permettre que diaspora ka rentrer pour venir investir pour diminuer sous taux de délinquance juvénile qui gagne dans pays à bes personne donc laisse sous ça et désir donc laisse sous ça et kounya là nous gravine avec 6 séquences vidéo ça yon nous dit hein et peuple a mobilisé les Evenes et peuple a mobilisé et bois calculier OK. Je dis en la désir, maman de moun yo, maman de moun yo sa, et moun ki ta vle, moun ki pou ke, et maman di sa, moun ki pou ke population dans tout pays, ouais, bien dit oui, moun ki d'accord, population dans tout pays, réactive, Bois-Caléen, dit ça dans commentaire là. Est-ce qu'on d'accord là, est-ce qu'on pour que, population haïtienne réactiver question BK qui se boit calé parce que je dis hein mon la Tibonite commence voye si alan clair yeah mon la Tibonite mon nan savien mon nan kafoupe mon nan moutre mon nan pachoual yo déjà voye si alan clair OK yo voye si alan très 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 clair parce que yo déjà commencé avec question boit calé est-ce que je dis en là, on même cap tende et cap gade émission ça. Mamdou, si vous bois calé, vous avez dit pour que vous tourne avec bois calé. Et, bon côté bois calé, peuple haïtien, est-ce que vous exigez la police? Est-ce que vous exigez DG Ramon Amil? Est-ce que vous exigez conseil présidentiel qui là? Et gouvernement qu'on y a dirigé? Est-ce qu'on exige ensemble autorité ça yo pour que yo commence à mener des opérations vraiment dans le fief bandi yo? Dans le fief bandi yo? Parce que je dis, peuple n'a dit le bouquet, peuple n'a dit pas capable encore de Sivenes, et je dis, il y aurait les amoui. Et bambam, on y attendait Leslie Voltaire, dans le coup d'intervention ça,
sous question dialogue li parler hein en même temps tout désir gayon dame bam si va mi moun qui a fait propre dans la rio regardez fils ça salambé Pierre Espérance il s'est passé pour Pierre Espérance va être chargé mais ça va pas ouais femme on met garçon on est garçon et garçon il y a plus bagarre non plus bagarre dit vérité la situation et oui et mais regardez Là, parle dans l'essai d'autre, garder avec son militaire de Dieu. Bon, ben, mon militaire de l'Esti Voltaire, petit chinois, j'en ai là. Et si vous êtes vraiment intéressé pour nous là. CPA, est-ce que CPA, du coup, dialogue ou soit combattre le lion? CPA pour dialogue, il n'y a pas qu'à faire élection si on n'a pas établi sécurité sur tout le territoire national là. Moi-même, même si nous avons, par exemple, en tant qu'urbaniste, une maire de Port-au-Prince, pas qu'à aller faire élection, pas qu'à faire campagne dans le village de Dieu, dans Bel Air, dans la Cité Soleil, parce que il va quitter me faire. Et donc, c'est normal que sécurité, c'est numéro un avant élection. Est-ce que CPA, du coup, dialogue ou soit pour combattre le lion? CPA pour dialogue, il n'y a pas qu'à faire élection. Est-ce que CPA, du coup, dialogue ou soit pour combattre le lion? CPA pour dialogue, il n'y a pas qu'à faire élection si on n'a pas établi sécurité sur tout le territoire national. Moi-même, si nous avons, par exemple, en tant qu'urbaniste, une maire de Port-au-Prince, pas qu'à aller faire élection, pas qu'à faire campagne dans le village de Dieu, dans Bel Air, dans la Cité Soleil, parce que il va quitter me faire. Et donc, c'est normal que sécurité, c'est numéro un avant élection. Est-ce que CPA, du coup, dialogue ou soit pour combattre le lion? CPA pour dialogue, il n'y a pas qu'à faire élection si on n'a pas établi sécurité sur tout le territoire national. Moi-même, si nous avons, par exemple, en tant qu'urbaniste, une maire de Port-au-Prince, pas qu'à aller faire élection, pas qu'à faire campagne dans le village de Dieu, dans Bel Air, dans la Cité Soleil, parce que il va quitter me faire. Et donc, c'est normal que sécurité, c'est numéro un avant élection. Est-ce que. Désir, moi-même, je vais faire un petit parler et je souhaite chaque monde capteur de Cap Gardé nous là dans l'émission ça, Calfou Vérité, prendre dimension, ça me va le dire. Parce que, dans sa liste, li Voltaire dit là, conseil présidentiel, représentant Famille Lavalas dans le conseil présidentiel. Gen ou nyons, gen plusieurs nyons dans sa monsieur Dion. Même gade en deux côtés, nyons là. Oui, c'est payant pour dialogue. A dit pour dialoguer avec Bandio. Dit clair. Parce que c'est pas avec Désir pour dialoguer. C'est pas avec Blaise pour dialoguer. C'est pas Blaise avec Désir qui bloquait payant. C'est pas Blaise avec Désir qui mettait payant en otage. C'est pas Blaise avec Désir qui poussait de plus que 600 000 moun, famille. Dans deuxième, troisième et première circonscription Port-au-Prince, et pas moi avec Désir Venesse. C'est pas Blaise avec Désir Venesse qui a kidnappé moun chaque jour dans le pays. C'est pas Blaise avec Désir Venesse qui a violé puis nous avec mesdames. Donc, dialogue là, c'est avec Neki Gesam qui est les têtes vivent ensemble. Organisation criminelle ça. Mais là, ça veut dire. Leslie Voltaire pote message. PM Koni te pote talaya, te pote nan avant, déposer les armes, reconnaître autorité de l'État, et Gay Koni te dit, et répète, il dit encore. Mais Kounia, an gade. Yo pa ka fè élection si pa gen sécurité nan pays. Li pour exemple, li même comme urbaniste, c'est la pote l comme candidat à la municipalité ou dis-moi pour mairie Port-au-Prince, il va pas faire campagne dans le village de Dieu, Matissan et Grand Ravine. Dans la première circonscription Port-au-Prince, dans la deuxième, nan. Ça veut dire, il montre vraiment insécurité à la, il n'est pas capable. Il faut qu'il y ait sécurité dans le pays. Moi-même, ça me le comprendre. Oui, d'accord, ça veut dire, il faut qu'il y ait sécurité. Et moi, je dis toujours dire là. Et je dis dans l'émission, parler de changement dans la mi-temps journée, qu'on a fait il y a des jours. Nous avons dit que, faut qu'il y ait sécurité parce que d'abord, candidat yo, pour yo aller inscrire, selon côté ou yon, faut aller inscrire dans Bec yo, ou bien dans Bed yo, ou bien dans le conseil électoral, ça va aller pas à qui poste, à qui titre. Et faut calmer les campagnes.
faut qu'il joue vote là. Faut qu'il qu'elle vote et faut qu'électeur, ça n'est les mon qui va voter, faut qu'elle vote et puis elle vote sans problème. Ndedil déjà, moi Ndedil dit déjà. Les libertaires n'est qui répéter ça Ndedil déjà parce que nous même moi Ndedil dit là. Mais là ça gagne désir. Moi ça m'a dit on ne doit pas d'accord avec. Et pas question blesse avec désir pas pour dialogue avec bandi non. C'est pas moi. Et pas moi demander dialogue là. Et c'est pas moi autorité tout. Et c'est pas moi qui victime en bas menex ça. L'aime dire et pas moi qui victime non. Physiquement mais directement. Mais indirectement victime. Parce que ça qui a passé dans le pays là, il y a des conséquences sur tout haïtien qui a vécu en Haïti. Et même si là qui est dans la diaspora, m'a dit que il y a des conséquences sur moi. Mais Kounia, qui est ce problème là? Ça me dit là.